Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 10e, les versets 11 à 18. Jésus disait aux Juifs : Je suis le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, lui, n'est pas le pasteur. Car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire. Et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre. Ensuite, personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole du Seigneur. Très chers amis, sinon pour reprendre le concept de saint Jean, mes bien-aimés, cette émission Dimanche chez vous vous permet de vous rejoindre dans les lieux où vous êtes pour la méditation des textes de ce week-end. Quelques pistes seront données pour nous permettre de mieux méditer, de mieux comprendre, sinon d'avancer au large de notre foi. Le thème central de ce dimanche se voudra d'être le bon pasteur. Jésus s'identifie, se révèle comme étant le bon pasteur. Il va sans dire que si bon il y a, mauvais il y a aussi. Et les mauvais, il se donne de les nommer les mercenaires. Autrement dit, ceux qui pendant les situations difficiles, se donne d'abandonner la bergerie, se donne d'abandonner les brebis. Pour rester dans le cadre ou dans l'image du bon pasteur, il y a lieu de relever un aspect. Contrairement au pasteur, sinon au berger de l'époque et de ce jour encore, il faut rappeler que dans la culture juive de l'époque, la tâche pastorale était celle-même la mieux prisée. Du coup, le Christ Jésus utilisera plus les images aussi bien du pasteur, donc de la bergerie, que l'agriculture avec la vigne, les champs, les travaux champêtres. Et dans le cas du bon pasteur, une image est particulière, devant laquelle souvent nous sautons
et nous ne prêtons pas attention. Le berger se met en une position telle qu'il est à l'arrière du troupeau pour voir, pour recadrer, pour avoir la maîtrise de ce qui se passe avec tout le troupeau. Il est à l'arrière avec son bâton. Et en communication, nous parlerons même de la position du panoptique de Bintan, de sorte que nous ayons une vision panoramique de tout au devant de nous. Dans le cas de Jésus, ce berger dont les brebis connaissent la voix, il le redit lui-même dans l'évangile de ce jour, même celles qui sont dehors, je veux les inclure. On parlera là donc du salut inclusif. Jésus ne veut laisser à part nulle personne. Nous nous rappellerons le dimanche dernier, en méditant les mots de l'évangile, la péricope de l'apparition, le dimanche, disais-je, de la divine miséricorde, l'apparition de Jésus au Cénacle le fut uniquement pour l'absent, qui était le jumeau. Il revient parce que cela aussi doit être bénéficiaire du salut. Et dans le cas échéant, le bon berger tient compte aussi des brebis qui sont loin de la bergerie. Il veut tous les impliquer, les rendre inclusifs, membres du salut qui est donné. Donc, il n'est plus un salut exclusif que telle ou telle autre religion, telle ou telle autre personne seulement, que les femmes, que les enfants, que les parents. Non, tous sont impliqués. Et Pierre, déjà, dans ce que nous pouvons nous permettre de dire, première lecture, être comme un plaidoyer, loin d'être un tribunal. Déjà là encore, dimanche passé, il signifiait que vous l'avez tué, ici encore, il le répète, vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Ce n'est pas une accusation, puisqu'il précisera que ce qui s'est passé, c'est par ignorance. Donc, tous sommes compris et impliqués dans ce salut divin. Disais-je, la position du berger que Jésus n'est plus cette position selon laquelle elle prive la brebis de sa liberté. Non, c'est la sequela Christi. Nous sommes à la suite du Christ, sous-entendu que lui, le bon berger, se trouve devant. Il n'est plus en arrière pour contrôler, pour surveiller, pour chicoter. Il est au devant. Il guide la bergerie. Il va sans dire que l'Église se donnera de parler de la liberté des enfants de Dieu. Cette liberté dont nous, chrétiens, nous jouissons pour la simple raison qu'il y a la connaissance, la relation établie entre le chrétien que je suis et le maître qu'il est n'est pas une position ou une relation d'arbitrage, une relation de policier, une relation... non. Elle nous est donnée librement, par amour. Et le concept « connaître » revient plusieurs fois dans l'évangile de ce jour, tout comme dans les mots de Saint Jean. Et d'ailleurs même Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, qui revient sur l'aspect du connaître. C'est à partir du moment où nous connaissons, dira Saint Jean, le monde ne nous connaît pas, mais nous nous connaissons Dieu. Le monde ne saurait nous connaître, le monde ne saurait avoir la maîtrise de ce que nous sommes. Et Saint Luc, disais-je, dans les Actes des Apôtres, nous donne de revivre à frais neuf la beauté de ce que ceux qui ont connu, qui ont rencontré, qui connaissent Dieu, se donnent de vivre comme expérience. Expérience heureuse, certes, mais assez douloureuse aussi. D'autant plus qu'il leur est donné de comparaître pour le bien qu'ils ont eu à faire. C'est quand même extraordinaire, surprenant. J'ai fait le bien et on me donne de comparaître. Pourtant, ce n'est pas la première fois. Ils l'ont vécu, tout comme le Christ lui-même l'a vécu. Et Saint Paul plus tard dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Les Actes des Apôtres nous donnent de comprendre une chose, que par-delà tout, le protagoniste premier, l'acteur premier de ce livre, c'est le Saint-Esprit. C'est ainsi
que Pierre, imbu du Saint-Esprit, se donne de prendre la parole et de professer au fait la foi. C'est devant une véritable profession de foi pétrienne que nous nous trouvons ici. Aussi bien qu'il parle de ce Jésus, autrement dit, celui que vous, vous ne connaissez pas, mais celui que nous connaissons, est ressuscité d'entre les morts. Et l'acte, le bien que nous nous sommes donné de poser, ce n'est pas nous qui l'avons fait, ce n'est pas nous qui l'avons posé, c'est le Christ Jésus qui l'a posé. Cette position du Christ Jésus qui est au devant nous donne de comprendre que ce que nous vivons, lui l'a vécu bien avant nous. Alors il nous arrivera de nous plaindre, il nous arrivera de nous poser de multiples questions. Mais par-delà tout, l'évangile d'aujourd'hui nous donne d'être chacun à sa manière de bons bergers, de bons pasteurs, les uns pour les autres, selon que nous parvenons à entretenir de très bonnes relations. Il va sans dire que les relations parfois seront biaisées. Mais est-ce que ça sera une raison pour nous d'arrêter de faire le bien? Non. Est-ce que ça sera pour nous une raison de ne pas faire ce que nous avons à faire? Non plus. Le bien, il nous faudra le faire, quoi qu'il nous en coûtera. Cependant, il nous sera donné de nous justifier. Il nous sera donné de justifier les actes que nous posons. Si tant est que c'est grâce au Saint-Esprit qui est Dieu que nous posons ces actes, or, nul n'est besoin de nous poser la question de savoir comment nous les dirons. D'ailleurs, le Christ nous l'aura dit précédemment, vous serez traînés dans les tribunaux. Ne vous posez pas les questions. Sur ce que vous aurez à dire, mon Père vous enverra l'Esprit et l'Esprit vous apprendra à dire. Le monde, disais-je, ne nous connaît pas. Les actes des apôtres posent une manière d'appeler, pendant que Saint Jean, dans l'amour qui est sien, dit « mes bien-aimés ». Le week-end dernier, Saint Jean parlait en termes de « mes petits-enfants ». Aujourd'hui, il pose « mes bien-aimés », ce qui rejoint quelque peu le concept qui est repris dans les actes des apôtres. Chers amis de Dieu, un certain Théophile, le texte est écrit pour Théophile, Théos, Philos, chers amis de Dieu ou aimés de Dieu. Ici, outre l'amour que Dieu a pour nous, il va sans dire que Jean écrit pour qu'il y ait cet amour les uns envers les autres. Dieu nous a aimés, il nous a envoyé son Fils unique. Mais est-ce que nous sommes capables de nous aimer? C'est pourquoi il dit « mes bien-aimés, chers Adelphos » ou voilà, « chers amis, chers frères », l'expression qui reviendra souvent « très chers frères et sœurs ». Ça c'est, mais on parlera plus de « chers frères ». La volonté de Dieu, c'est que nous soyons appelés « enfants de Dieu ». Donc, bien-aimés, chers amis, Théophile et ainsi de suite, sa volonté, c'est que, dit Saint Jean dans la deuxième lecture, c'est que nous soyons appelés enfants de Dieu. Non seulement que nous soyons appelés enfants de Dieu, mais que nous soyons des enfants de Dieu. Plus encore, il dit, outre le fait que nous soyons appelés enfants de Dieu ou que nous devenions enfants de Dieu, nous sommes appelés à aspirer à quelque chose de plus grand, de plus immense. Et cette aspiration se fera plus montre à la parousie. Il nous dit, lorsque le Fils de l'homme apparaîtra. Donc, ce retour glorieux fera de nous que, l'ayant vu face à face, nous ne serons plus seulement des enfants, mais nous soyons semblables. Et à ce moment-là, il m'est donné un peu de nous rappeler les mots du Mahatma Gandhi, qui disait, si les chrétiens imitaient, ne fût-ce qu'un peu, leur maître, il y aurait longtemps que je me serais fait l'un des leurs. C'est dire que, enfants de Dieu, nous les sommes, mais nous sommes en route. Pour terminer, Saint Pierre, dans ses propos et dans ses mots, vient à dire que ce Jésus que vous avez rejeté est devenu la pierre angulaire. La pierre qui fait même l'édifice. C'est dire quoi? Que quoi que nous soyons, soyons convaincus de l'amour de Dieu en nous, pour qu'il fasse de nous lui-même ce que nous sommes appelés à devenir. Que de fois nous nous plaindrons, que le Seigneur ne m'aime pas,
le Seigneur m'a abandonné pour ci ou pour ça, pour tout ce que j'ai vécu. Et elle nous donne de dire, et Saint Jean leur dit, voyez de quel amour Dieu vous a aimé. Comment pouvons-nous parler? Comment pouvons-nous toucher l'amour de Dieu? Eh bien, c'est juste en voyant ce qui se vit dans ta propre vie et d'en être le témoin de par le monde. Dimanche chez vous, aujourd'hui, t'appelle à être toi, témoin de Dieu, mais plus encore, pasteur, pour tes frères, pour ta sœur. Très cher ami, bon dimanche. Alléluia.